Les Congo AL News, première chaîne d'info. Une renégociation, si on considère que l'État congolais perd, si on considère que... Les Congolais. Oui, l'État, nous sommes congolais, toujours bénéficier et que nous sommes lésés dans le contrat. Non. On peut toujours renégocier le contrat. On va voir dans quelle mesure on peut rééquilibrer, justement, mais par rapport des forces. Mais on ne peut pas être brutal, corrompre directement un contrat entre Bissot et Nassim Lex. Moi, je m'interroge, qui va le prendre? C'est le tête de monnaie qui a justement ses compétences. Est-ce qu'il y a ma compétence technologique? On a encore des défis technologiques à relever. Bientôt, il y aura encore des normes beaucoup plus contraignantes que ça. Pensez-vous que le tête de monnaie sera toujours capable de pouvoir mettre en place ces normes? Est-ce que Tobin Massou Semlex a zon la peau à zon? Donc on doit vraiment réfléchir, pas l'émotion, mais tout le monde a quel est l'intérêt d'une part il y a Congo et d'autre part il y a des investisseurs privés qui nous ont fait confiance à un match très difficile qu'on, en tout cas de notre pays. La diaspora, Bakati, ma passeport d'un seul coup. On devait commencer à retirer peu à peu ma passeport non biométrique, basé à congéter biométrique dans la population, mais Bakati Bisso. Il y a eu des gens qui étaient à Côte d'Ivoire malades, à la région de France, Moutakou Fikuna. Et ça a même fait. Il y a eu l'amateurisme, parce qu'il y avait des commissions colossales, Nakati, et c'est elle qui va récupérer ma monde. Très tôt, on va signer contre la Semlex, Bakati, ma monde qui est basé à Mongo. Nakati, il y a Mongo. Toujours le bas à 185. Parce qu'on ne peut pas accepter quelque chose et les refuser aussi. D'un côté, vous dites que. Il faut tout garder Semlex pour la compétence. Non, non, je n'ai pas côté, dit ça. Oui, je comprends. Pour garder le bah, pour et continuer dans la sécurité, bah, parce qu'on a mis. De l'autre côté aussi, vous aussi, dans l'État congolais, tout le monde travaille en Bissomoko. Vous ne trouvez pas que l'État congolais est perdu à ces cas-là, parce qu'il y a incompétence. De l'autre côté aussi, Semlex vole. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui vont renégocier la Semlex, est-ce que, vu l'alliance politique que nous avons dans notre pays, est-ce que Kabila peut accepter aujourd'hui que on la part naïe na kati a contraire ma passeport à Congo? Voilà. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Est-ce que l'État congolais a pu renouveler encore contrat naïe na Semlex pour la fabrication d'un passeport congolais? Ça c'est la question aux affaires pour déranger ma congolais, parce que vous savez très bien qu'un passeport congolais coûte cher, jusqu'à 250 euros en Europe. 250 dollars à Kinshasa. Pourquoi aussi cher comme ça alors que le pays nous sous haute fin en Europe, ma passeport coûte moins de 100 euros. C'est pour ça que tu parlais de cette émission avec M. Henri Matona, l'ancien conseiller dans le ministère congolais de l'étranger, d'affaires étrangères, et aussi M. Otchudi Omana Evariste, proche de Moïse Katumbi et président APK. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Mouzon. Bonsoir, peuple congolais. Voilà, bienvenue dans cette émission. On a vraiment invité nos potos à parler de ce que les Congolais basa ko mi tout aujourd'hui. Pourquoi aussi cher le passeport congolais? Parce que dernièrement, on a Zoki, ministre des Congolais de l'étranger à l'époque, M. Ilunga, qui avait promis qu'il y a qu'on baissait le prix à bas passeport. Alors, pourquoi ce passeport aujourd'hui, prix n'a pas et baissé? Aujourd'hui, de combien de termes il y a accord signé pour un passeport congolais? Est-ce que l'État congolais a qu'on prolonger en haut ou pas? Est-ce que le contrat va signer qui ils ont respecté la norme et à corrompre le contrat ou à continuer? Monsieur Matona. Alors bonsoir. Alors effectivement, affaire à passeport, c'est vrai que les affaires Moko qui fait parler beaucoup. Nos compatriotes, ça a été ma revendication, plutôt ma demande comme quoi qui ça a pris un passeport. Déjà à l'époque, on a eu un conseiller aux affaires étrangères, donc nous avons eu beaucoup de demandes dans ce sens, que qui ça a pris un passeport. Mais il y a toujours une problématique, on a pris un passeport, décider à un bon côté. Il faut comprendre le contexte dans lequel on a un passeport, les amis. C'est-à-dire que nous avions à l'époque notre système de passeport, on a vu sur les Haïti, pas homologué au niveau international. Donc il y a une organisation internationale où est exigée qui, pour la sécurité, le document officiel, il fallait qu'il y ait une certaine un certain nombre de règles, de normes. Et puis surtout avec prêté. Donc il fallait donc tout matin rapidement. On a fait ce appel d'offres, il fallait qu'il salaire un protocole conforme sur le plan international. Mais personne, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas d'argent. Il fallait de la liquidité, il fallait des ressources. Et à l'époque, on avait juste un client, plutôt une société qui nous a fait confiance. Société à Mokombo-Nao, Semlex. Donc Semlex, c'est une société belge qui est venue avec ses propres moyens. L'État congolais a tellement la quantité qu'on n'a pas eu des investisseurs parce que tout le monde a dit pour participer à l'affaire. Voilà, personne n'est venu. Semlex est venu avec ses moyens. Il a pris des risques considérables.
Semlex a une association, c'est une entreprise. Entreprise a besoin de bénéfices, elle a besoin de bénéfices, c'est ça même l'essence d'une entreprise. Donc elle va confier entreprise. Entreprise, il y a un contrat qu'on appelle le BOT entre l'État congolais et Semlex. Autrement dit, Semlex vient avec son investissement, ok, à une matériel, il met tout finalement. Et donc, il a souka. Sur chaque produit, il y a une répartition entre l'État congolais, donc représenté, la société Semlex. Mais il y a aussi des privés qui n'ont pas part dans le marché. Justement, mais quand je parle de privé, c'est la société Semlex. La société Semlex a du conglomérat, à cause d'un partenaire, à cause d'un associé, tout comme à cause d'un filiale. Moi, les amis, organisation interne de la société Semlex, ça ne pose aucun problème. Problème, il n'y a aucun problème parce que le contrat a été signé en bonne et due forme par le ministre des Finances à l'époque et par le ministre des Affaires étrangères de l'époque aussi. Donc l'État congolais a signé ce contrat en bonne et due forme. Et donc, on devait arriver à terme 5 ans après pour baser les plans. Mais à condition quand même que Semlex a sa profit, a son retour sur investissement, sur tout ce qu'il a investi comme bien, comme argent. Mon cher ami, Togo Sanate, personne n'avait répondu favorablement à l'offre Oana et à quoi compagnie Bissot pour mettre en place ma passeport biométrique. Et maintenant, contrat est comme une souka. Donc là, il appartient bien évidemment au chef de l'État, au ministre des Affaires étrangères, en tout cas à l'État congolais, de décider oui ou non si on doit prolonger des contrats avec Semlex ou pas. Mais moi, personnellement, si je dois dire personnellement, je ne considère pas que c'est la bonne idée. Bakata contrat avec Semlex. Pourquoi Bakata? Parce que le passeport coûte cher. Alors oui, une fois de plus, Semlex, c'est un investisseur privé. D'accord? Là, les lots, toujours les là, on a besoin des investisseurs. Semlex est arrivé avec sa technologie. Semlex a perception de l'autre. Aujourd'hui, ceux qui battent le contrat, qui va prendre le relais? Parce que dans les contrats, l'article 10, il y a l'accord, oui. Dit simplement que. Lorsque vous commis la terme à contrat, le matériau tout est commis à l'État congolais. Bien aujourd'hui, il est à l'État congolais pour continuer production. Bien entendu. Alors, il y a aussi un article qui dit que sous réserve qu'il y ait un retour sur investissement d'un contrat. J'ose croire que Semlex, il y a eu des bénéfices sur Semlex. Mais Semlex ne gagnait pas beaucoup d'argent sur ça. Parce qu'il y avait aussi une partie qui revenait à l'État congolais. Donc, et d'ailleurs, moi, on savait que Semlex était. Il y avait une partie qui allait à Semlex et une autre partie qui revenait à l'État congolais. L'État congolais bénéficiait juste un peu d'argent. Mais il partait plus dans les poches des politiciens congolais. Justement, si jamais, pareil à l'État congolais, l'État congolais avait décidé, par exemple, aurait décidé que allons on la parle à considérer comme une subvention. Alors on lui parle, qui nous revenait de droit, le prix de passeport, il nous a la même prix, il nous a 185 dollars, et il nous a sûrement de moitié, et il nous a sûrement 65 dollars ou 100 dollars. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on voulait aussi avoir de l'argent. Donc il est très facile, là aujourd'hui, de jeter la pierre sur Semlex. On a besoin des investisseurs. Ça ne rassure pas les investisseurs, parce que voilà ce qui arrive à ceux qui ont pris les risques considérables d'aller au Congo, parce que au Congo, c'est un risque aujourd'hui. Est-ce qu'on peut renégocier avec Semlex en baissant les prix que l'on voit là? Effectivement, ça, c'est un bon point. C'est-à-dire qu'on doit plutôt parler de renégociation. Si on considère que l'État congolais perd, si on considère que les Congolais, oui, l'État, nous sommes congolais, toujours bénéficiaires et que nous sommes lésés dans le contrat, non. On peut toujours renégocier le contrat. On va voir dans quelle mesure on peut rééquilibrer justement par rapport des forces. Mais on ne peut pas être brutal pour rompre directement le contrat entre Bissot et Semlex. Moi je m'interroge, qui va le prendre? C'est le tête de monnaie qui a justement ses compétences. Est-ce qu'il y a ma compétence technologique? On a encore des défis technologiques à relever. Bientôt, il y aura encore des beaucoup plus contraignant que ça. Pensez-vous que le tête de monnaie sera toujours capable de pouvoir mettre en place des normes? Est-ce que demain, c'est un ex à zone ou pour à zone? Donc, on doit vraiment réfléchir, pas à l'émotion, mais tout le monde a quel est l'intérêt d'une part à Congo et d'autre part, il y a des investisseurs privés qui nous ont fait confiance à un match très difficile, en tout cas de notre pays. Et ce moment, tu dis, est-ce qu'il est important aujourd'hui de faire confiance encore à Semlex? Pour ma part, j'estime que nous ne pouvons plus poser la confiance dans Semlex parce que tu signes des contrats en tant que Moka, Nabango, société privée, dans le cadre via droit international des commerces. Quand tu moniques, contrat tu signes que nous sommes et que nous sommes perdants sur tout le point, j'ai l'impression que nous sommes perdants sur tout le point, il convient ici de s'asseoir avec l'entreprise Semlex
réfléchir à nouveau pour retoquer le contrat et revoir certaines clauses où ils allaient malamouté pour la biso congolais. Vous voyez ici que le coût de la vie à Mbokanabiso et les prix et à passeport ils allaient incompatibles. Mais seulement la majorité de la Congolais basant à l'étranger, dans la diaspora, basant ma coquille à commission, mais la passeport. Basant ma coquille, parce que ça coûte cher aussi pour même les Congolais qui sont ici. À ces jours, nous sommes le passeport le plus cher. Je crois que dans le point Wana, il fallait tout réfléchir. Du moins, bateau bakané qui représente Musso Congo, parce qu'il y a un contrat, il fallait qu'il va réfléchir. Je vais ici citer le nom d'un de nos compatriotes que nous connaissons avec qui nous avons évolué ici, M. Emmanuel Ibunga, qui nous a promis, na Tangwanga qui a quitté Namboa Kosala. C'est très bien. Je pense que la diaspora tout ça na bande qu'on a vu se bélé ou basan à boigna ba yikoli misale bélé awa et kotala itil pour la bokana biso. Mais tant ou ne qu'on a vu se bande l'unga que je respecte bien, que je salue aussi à la kibiso, ma comme un passeport à retrouver solution. À l'oba qui a liboso to banda kozango rapidement sans matakasserie administrative. Yami balé talo et kokita. Yami sa to à l'oba qui encore que ba congolo basan étranger basan a son été moussousou, ba rebanda okita na bokana biso sans fosenga visa. Ba on peut s'arrêter carte au capi. Exactement, merci beaucoup. Alors, tant que nous avons vu Moussala, nous, dans la diaspora, tout c'est Pelaki. Mais au retour, ma promesse est mieux soit Pesaki, Moko Nangote et Salimi. Poko Solini Azouaki, tout est évité. Mais en tant qu'homme politique, tant que vous faites ces promesses et qu'on réalise Angote, pour nous, nous considérons que c'est une démagogie et nous lui retirons notre confiance en tant que membre de la diaspora. Et résumant, la diaspora, tout ça, la Bamitou Moussoussou, au Basali, capable de passer la paix, Missala Lobby. Mais mon colonne, qu'on a vu, ça qu'on s'est présenté pour que Ayeba, pour nous, dans ce conseil, je pense pas si on peut réfléchir deux fois, il y a un mot de tout, ça y est, confiance dans la. Mais je reviens sur le problème d'un passeport, dans l'entreprise Semlex, je crois que dans le contrat, Ndeko a si bas détail Moussoussou Malam parce qu'il était aux affaires pendant cette époque-là. Mais je pense que dans le contrat, à l'obité, il y a eu les accords sur le transfert des compétences et des technologies. C'est-à-dire, durant Moussala, je passe sous contrôle à Contelinga au Kaou Nakei, Nzela Alibanda, Dira Moussala et Kosalema, et c'est là que Semlex a formé Bande Konabiso ba Congolais. Baye ba Kosala Moussala a produit passeport. Et puis, ba matériel nyos au Kende et au Tigan Hôtel de Monnaie et au Komaye ba Congolais. Mais tout le monde, n'est-ce pas tout le temps et le monde à Bango, pendant la durée où le contrat est commis, na terme na mois de juin, ba former Bande Konabiso ba Congolais. Le Yosso qui se laisse à Ngazonga, ba Paris soke tikal et kokoma lokola bike ko to kosala obligé to benga ba expert étranger donc et kosala ka ba to na bango il faut pas subir pénalité quand même quelque part ils nous ont miselé le coup, ils nous ont asphyxié technologiquement, nous ne pouvons pas jouir na ba clause ya contrat to signer na bango. Voilà pourquoi moi je soutiens et c'est ngeli to retoquer contrat wana et puis ba ndeko bazala ki na signature ya contrat wana lelo il faut quand même ba se justifier parce que na lobaka toujours que tozali na possibilité à redevabilité par peuple tant que tu occupes une certaine fonction. Alors, Moutouzala qui vise à faire étranger comme chez Okitundu, y compris secondé la bande qu'on a vu sur Emmanuel Ilunga, aujourd'hui, ils doivent nous dire quelque chose. Parce que, dans le contrat, le Congolais, Tozali va perdant. Semlex a formé Bissoté. Semlex, même si on a pratiqué le matériel Bissolélo, Tozali a obligé Tozongi la bambo. Voilà, Tozongi va venir. Tozongi, marqué pause, tourner juste après. Les Congo à L News, première chaîne d'info. Les Congo à L News. Les Congo à L News, merci. Les Congo à L News, première chaîne d'info. Mais c'est maintenant. Ce qu'a dit M. Otulio aujourd'hui, il a fallu transmettre aussi compétences pour les Congolais. Alors, vous, étant que conseiller dans le ministère des Affaires étrangères, il y a Congolais de l'étranger, lorsque Semlex, vous signez l'accord à Semlex et qu'à la fin, vous se rendre compte que Semlex aussi n'a pas respecté les accords à ne pas former pour transmettre les compétences pour les Congolais. Parce que nous savons très bien que même si on nous laisse ces appareils aujourd'hui, pour qui ça, on va le remonter. Si. Alors, déjà, avant toute chose, je vais répondre sur ma promesse. Il y a Emmanuel Lunga, c'est-à-dire il y a ministre des Congolais étrangers de l'époque. Il est vrai que lorsqu'on est arrivé, on va dire qu'il y a ce problème-là à bras le corps, un problème à passeport. Parce qu'on avait été saisi par des étudiants, dans un bon côté, qui sont en Inde. Le coût du passeport était très très exorbitant. Mais justement, on a été confronté à la réalité, justement, comme un passeport. Nous avons travaillé sur ces dossiers. Et donc, l'hypothèse la plus possible, en face de Nabusso pour passeport et quitta. Le passeport Nabusso, il aurait fallu que l'État renonce, il n'y a pas revenir Nabusso.
Bah, congolais. D'accord. Oui, il n'y a pas l'État congolais. Pas l'État, mais pas comme ça, sur les $65 au lieu de revenir, ou voire plus même, de l'Ongoli en haut, et c'est mieux, automatiquement, le prix du passeport baissait. Et baissait à combien? Bon, baissait à combien? 180 euros. Mais considérablement. 180 euros. Non, mais là, le passeport est à 185 euros. Mais vous imaginez ce ballon-là qui est $65 ou 65 euros. À Kinshasa, le passeport est très abordable. Mais parce qu'il y a une partie aussi qui est revenue à la FCC aussi. Non. Il n'y a pas de FCC en Cambodge. Il y a l'État congolais. Il y a un contrat, on va bien dire BOT. Il y avait l'État congolais et une entreprise privée que Semlex. Semlex te signa un contrat en bonne et due forme. Contrat, il y a des clauses. Ce qui l'État avait considéré que le prix était trop élevé, c'était à l'État, pas au ministre. Nous avons fait des rapports, nous avons fait des notes aux autorités pour dire, pour donner des pistes de réflexion et des pistes de solutions pour que les prix puissent baisser. Il faut comprendre une chose. Lorsqu'on est à l'intérieur, lorsqu'on est aux responsabilités, on est confronté à la réalité. On comprend les choses beaucoup mieux que lorsqu'on est à l'extérieur. L'ambassade de Mabusso, nous avons combien de chancelleries? Plus de 65 chancelleries à l'extérieur. La maison diplomatique et consorts. Parmi la recette de Bango, il y a aussi pas le passeport. Parce qu'ils ont un rapport à Bango. Ceux qui ont attaqué en haut tout de suite, on se disait pas à l'État de l'Ongoli en haut. Donc il aurait fallu qu'on trouve aussi une substitution. Une part de zone sur l'ambassade. Alors qu'on n'avait pas justement pas à Mbongoana. Donc ils arrivent à sacrifice au l'État à sali, au Togobeto, considérant comme austérité, au l'État à sali pour tout à la norme. Donc c'est ce qui faisait que le passeport en étranger à la chair, la pays à la moins chère. Mais bien évidemment. Donc l'État manquait l'argent, il n'y avait pas de budget pour l'affaire étrangère pour faire fonctionner les ambassades à l'extérieur. Mais pas suffisamment. Donc c'était une quote-part pour y participer à fonctionnement, il y a l'ambassade. Parce que l'ambassade. Ils allaient directement attacher l'autorité au ministère des Affaires étrangères. Et comme ma passeport est ça en affaires étrangères, donc ils allaient directement la responsabilité affaires étrangères. La part qui revenait à l'État, donc aux affaires étrangères, et bien qu'on a l'ambassade de Nabisso pour permettre à fonctionner normalement. Il faut fonctionner en Nabisso, diplomate Nabisso. Mais pas que ça. L'État congolais envoyait aussi l'argent. Donc c'est pas compliqué. Et après, tu vas quitter que tu as indéfiniment. Nous avons dit que à l'échéance, il y a un contrat entre l'État et la SEMLEC, donc là, au mois de juin, on allait voir dans quelle mesure on allait négocier pour que Priwana et Kita. C'est pourquoi j'ai dit, une fois de plus, il est opportun maintenant, non pas de résilier le contrat qui nous lie avec Semlex, parce que je pense qu'ils ont un mauvais signal, mais investisseurs, notamment Semlex, qui a pris des risques considérables pour Ayapana Bisso, mais ils ont opportun tout le monde qu'on renégocie certaines clauses pour pas quitter ça, pris, étant donné qu'il y a déjà un retour sur investissement de la part de la société Wana. Et nous aussi, l'État, nous pouvons faire un effort pour que tu baisses prix. On ne peut pas directement. On ne restera pas sur 180. Aujourd'hui, comment faire pour baisser les prix à moins de $100 et à passeport aujourd'hui? S'il faut renégocier. Mais justement, mais c'est ce dont on est en train de parler. Monsieur Etude, là, après si l'hypothèse manque bien, à lui de renégocier. Moi, je suis complètement d'accord avec lui. On peut renégocier parce que le contrat est arrivé à terme. Je ne suis pas partisan à résiliation. On ne peut pas. On ne devrait pas résilier le contrat. Négocier, te le bas, voilà ma clause au réseau pour pénaliser du saut. Là, l'objectif principal est Zanini. Où il y a passeport équitable, non seulement équitable, mais aussi qui est une quote-part qu'on a l'État congolais. Semlex a intérêt à baisser ma prix parce qu'il y a déjà retour sur investissement. D'accord? Et non pas te résilier directement contrat avec Semlex. Vous avez promis les cartes au CAPI, à ma congolais, et une banque. Alors, pour la communauté congolaise. Alors, pourquoi aujourd'hui on n'a pas cette banque aujourd'hui dans la société congolaise de l'étranger? Parce que vous avez promis cela aux Congolais, vous avez promis le passeport moins cher, vous avez promis même beaucoup de choses, hein, carte au CAPI. Oui. Alors, pourquoi on n'a pas toutes ces promesses? Alors, carte au CAPI, il s'agit un projet, d'accord, sur lequel nous avons beaucoup et longtemps travaillé. La carte au CAPI est arrivée dans le gouvernement. Donc, ça a été débattu. Le conseil des ministres, le gouvernement. Donc il fallait écouter en action. Ça tenait plein de paramètres. Ils avaient des paramètres sécuritaires, n'est-ce pas? Avec la frontière Nabisso. En fait, ma paramètre, ça qui est belé au Ebanais Koko Tantante. Nani dans la carte de Capi, est-ce que Naï, dans la France, ce que nous a français, moi dans la français, à la France, est-ce qu'il y a la carte de Capi ou pas? Tous ces paramètres devaient être étudiés
de façon non précipitée parce que carte de capé est presque comme une carte d'identité. Donc on ne pouvait pas précipiter les choses, n'est-ce pas? On travaillait sur ces sujets. Malheureusement, entre temps, Nabisso, Nathan, la mise en exécution à carte Wana, il s'est passé des choses. Néanmoins, il y a eu la DGM qui a participé, il y avait le ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère de l'Intérieur, il y avait l'État, donc tous les protagonistes ont participé dans le projet Wana et à carte au Capi. Et donc, à la fin, il s'est avéré que Mandature, Nabisso et Sili, nous sommes partis. Entre autres préconisations, on avait dit qu'on devait baisser, soit par congolais de l'étranger, bas un visa directement, bas visa volant, à l'arrivée sur le territoire national, si jamais on considérait que, du point de vue sécuritaire, carte au capi, ils ont pour garantir sécurité pour tout contrôler réellement qui entre sur le territoire congolais. D'autre part, on avait considéré aussi que parmi facteurs ou les joueurs qui. Il y a des facteurs, il y a des recettes, une fois de plus, il y a l'ambassade de Nabisso. Lorsque vous allez obtenir, solliciter un visa, l'ambassade, on paye. Le visa va foutre à rond, n'est-ce pas? Donc foutre à visa. Et aux autres, on a affaire étrangère, après affaire étrangère, à rétrocéder dans l'ambassade. Comment est-ce qu'on allait partager toutes ces mannes? On allait amputer une partie à man l'ambassade. Tout ça, ils allaient très considérable. Tu vois, même nous, on refinance l'ambassade de Nabisso. C'est pourquoi, première hypothèse, ils allaient dire que tu es d'abord dans ma visa volant. Donc on partait de l'étranger, ce qui va sur place. Parce que à l'époque de Kabila, bon, tout ça qui est en place, je ne sais pas si le ministre à l'époque, sauf qu'il était bloqué, mais non. À l'arrivée de Félix, tout a changé d'un coup. Mais c'est pourquoi quand on travaille, on doit apprendre à travailler dans les temps. On ne peut pas travailler que pour aujourd'hui. Il y a certaines choses qu'on plante, et là-bas, on a vu ce Moutoubarobou. Nous, on a semé, on a planté, on a fait tous les projets. Le projet est resté. Aujourd'hui, il est en exécution. Vous savez qu'aujourd'hui, un Congolais a reconnu sur place, a dit visa volant. Mais Ezalaki. Non, c'est vous, vous. Si, aujourd'hui, un Congolais, on a obligé. Donc, Bino Moutcha prend la place. Bien entendu, Ezalaki, un package entre. Non, ce n'est pas l'actuel ministre qui a tiré la place. Mais votre travail donc, à vous. Donc, c'est pour l'État. On ne va pas discuter sur la paternité du projet. Donc, on a travaillé sur ça. Et Tikali, donc, mise en exécution. Ils ont un an, deux ans ou trois ans avec régime Moussous. Ce n'est pas grave. Mais au moins, nous avons travaillé pour qu'ils aient en exécution. Non, aujourd'hui, le Congo n'a pas cette compétence. C'est pour ça, le passeport. Bissoumoukou. Aujourd'hui, nous avons la compétence parce que SEMLEX a formé la chancellerie pour le salaire. Il n'avait pas des agents SEMLEX. Au départ, lorsque il implanta la machine, le matériel, il a fallu que les experts de SEMLEX aillent sur place pour former nos personnels. Aujourd'hui, il n'y a aucun personnel de SEMLEX dans l'ambassade de Nabisso. Le problème, c'est au niveau de l'impression. Aujourd'hui, c'est bon, nous sommes autonomes, nous avons la technologie, nous savons comment fonctionnent ces engins. Donc, on peut faire fonctionner ces machine sans SEMLEX. Mengaï n'a plus une relation économique. Mais si aujourd'hui on écarte SEMLEX, on peut même avoir le passeport à 30 dollars. Mais alors, c'est pourquoi je suis en train de dire, il faut te dire là, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que l'intérêt n'a plus à écarter SEMLEX comme ça? C'est tout. Qu'est-ce qu'on gagne en écartant SEMLEX? Si c'est qu'on peut gagner en voulant écarter SEMLEX, on peut l'obtenir en négociant avec SEMLEX. Pourquoi ne pas le faire? On peut négocier. Là-bas, clause, comme l'a dit mon cher frère, tu dis, on peut négocier sur ma clause à contrat pour que l'État congolais ait encore davantage gagnant, étant donné que le contrat d'abus est commis à échéance. Mais ce que tu dis, faites-vous confiance dans imprimer le passeport en Congo, parce que n'oubliez pas que tout ça qui passeport en Abisso qu'on appelait le Nouveau Testament à l'époque, au pays tué Afrique, on est copiraté un mot facilement, on pouvait changer les photos à tout moment. Tout le monde est aussi soit arrivé à SEMLEX. Bah, passeport c'est mi-bio, bah, imprimé qui au départ, et là qui numéro mon passeport, et qui au moins à 10 personnes. Moi j'ai eu ces cas-là. Et aujourd'hui, avec le nouveau passeport à SEMLEX aussi, bah, passeport voilà. Est-ce que si on faisait confiance aux Congolais aujourd'hui, bah, imprimer ma passeport, Bangomoko, Bozobangate, que ces mêmes passeports, ils allaient imprimer, parce que beaucoup vont s'enrichir pour ça. Moi je suis d'avis, parce que le passeport est un document officiel, dont le propriétaire exclusif est l'État congolais. Le passeport est aussi un document d'identité pour un citoyen. De ce fait, pour la souveraineté de mon pays, je pense que Essengeli Biso Mokotobanda a imprimé passeport Nabisso. Seulement, on a eu le temps dans le passé pour que transférer la technologie et la compétence et Salima, mon frère ici présent à l'oblique et c'est Salimi. Comme il était dedans,
Je parce, lui fais confiance. Parce que moi j'étais à Kinshasa, j'ai une empreinte à Kinshasa, hein. J'étais à l'affaire étrangère, je vis que les Congolais, parce qu'on sort le passeport, je vis que les Congolais. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une impression en haut, c'est des Congolais ou pas? Je peux marquer pause pour revenir juste après. Les Congo à L News, première chaîne d'info. Oui, donc moi je pense que dans le cadre de la souveraineté, c'est un peu mon compte produire passeport dans les choses, seulement l'autorité de l'État. Azala, la surveillance makasi pour que passeport ils allaient dérober et ils trafiquer parce qu'ils allaient des documents officiels. Pourquoi je dis cela? Parce que Togozala toujours été mis au Congolais, étant la mission surtout, quoi qu'ils aient la faiblesse dans ma campagne, sur pied qu'on s'en a recours dans ma étranger. Je crois que dans mon pays, il y a des jeunes, il y a des hommes et des femmes mieux formés. Qui peuvent à même causer la hâte et à causer la moussala moko et malam aussi et pour créer emploi dans la carte de la société pour relever le niveau de vie à Batou, moyenna ba salaire ba kopé sabango. Je crois de ce fait et c'est ngeli biso mokoto produire ba passeport na biso. Ma kamotali semlex, je suis d'avis, contrairement à Ndeko na ngai, ya kokata contrat na bango parce que durant le contrat jusqu'à ce jour, le perdant est ali état congolais et puis peuple congolais. Mais de l'autre côté, je les rejoins. Pour la couper sa sécurité, il y a un investisseur dans le cannabis, mais Semlex ne peut pas nous mettre en porte-à-faux pour que l'investisseur soit dans le cannabis. Du moment où il y a ce conduit malamouté, Semlex par rapport à cannabis, je crois que de ce fait, c'est un guélito, mais dans les calmes. Mais en attendant que Bissot, tout soit relève tout cela, Moussa Malamou, il faut Semlex accompagner l'État congolais dans le cadre de la production d'un passeport. Rupture et salématé, parce qu'on a vu dans les temps du passé, je reviens encore sur mon frère Emmanuel Lunga, à Tozaka Diaspora, Bakati, ma passeport d'un seul coup. On devait commencer à retirer peu à peu ma passeport non biométrique, parce qu'on injectait biométrique dans la carte de la population, mais Bakati Bisso. Il y a eu des gens qui étaient à Côte d'Ivoire malades, à région de France, Moutakou Fikuna. Et ça dit, bah, mais fait, il y a eu l'amateurisme, et quand on a croyé Moussala, parce qu'il y avait des commissions colossales, Nakati, et c'est quelqu'un qui va récupérer ma monde. Très tôt, on va signer contre la Semlex, Bakati, ma monde qui est basé à Mongo. Nakati, il y a Mongo, on a toujours le bas à 185 euros. Parce non, parce qu'on a un peu cher que ça. Oui. Alors, on a tout ce matin dans les 300-250. Et puis, le prix, ils allaient varier. Sauf qu'en Italie, en Belgique, en Suisse, tout en France, prix, ils allaient le lingue. J'ai tapé 3 ans sans passeport. Et pourtant, au Kéi, la poste, au Fouti Mongo, on me mis souche. Je suis prête à jouer à captif, ok, je suis bien à capter. Ma mère est bien à capter. Ok, l'ambassade, je suis bien à capter. Et pourtant, je suis bien à capter. Je suis bien à capter. La commission est bien. Nous le savons. Je suis bien à Kabila. Je suis bien à compte à Dubaï. Je suis bien à capter. Voilà pourquoi, parce que Zaki est l'icolo. Toboy Makamouana, nous voulons contrôler le flux monétaire. Il y a mon passeport. Nekwalobi, Maematali, Mosui, il y a l'ambassade, tout le consulat. Mais à part le passeport, tout ça, il y a ma carte consulaire, tout ça, il y a ma tenalieu, tout ça, il y a ma visa. Donc, entrer et cause là toujours. Mais ma fin de la tête, passeport, parce que ça, il y a place au bazar, cause mon. Toyebi, et comment qui propriété privée, il y a ma tout sous bazar qui neko, il y a Kabila, il y a cause mon. Donc, il y a comment tout ce qu'on comprend dans mon peuple, il faut tellement, tout le monde est à ma. Passeport, et ça, la tête. Trop cher. Semlex c'est un mot. Je vais vous dire que dans ma pays Moussoussou, Bazali Kosa la passeport, n'a pas 37 euros, 40 euros. Avec Semlex. Mais pourquoi? Avec Semlex toujours. Mais pourquoi nous Congolais et c'est là au-dessus? Parce qu'il y a des gens, la carte à pouvoir, Bazui, ma commission est belé, bah signer ma contrat, bah ça pose un mot. Qui a suivi commission dans la carte à contrat Semlex? Écoutez, non, pas Semlex, mais les classiques du pouvoir, oh y'a Kabila. Mais monsieur, par exemple, chez Okitundu, il faut à la présent à répondre. Bah expliquer, même ceux qui sont même ceux qui m'ont dit si l'on a sous-ministre, mais en tant que Moutouassima qui va charger beaucoup de monnaie pendant longtemps dans le cannabis, et c'est là qui une commission parce et ça là pour que bah entendre. Parce que les noms, lorsqu'il y a des enquêtes dans ma chaîne, dans ma pays, autre famille, parce que la France et la Belgique, bah, ils ont ça qui passeport, voilà. Ils ont dénoncé le passeport, les émissions étaient faites par le documentaire Isalemaki. On a cité les noms de l'ancien président Kabila, Nakati, à complicité à passeport congolais. Azana Kat, le lot Oyoboye Kabila a délégué Mbongo Nyoso Makamba passeport et pas l'Ekinae Zoé. Donc, il y a un peu de choses qu'on peut recevoir dans mon monde. Moi, je m'assume, moi, au tuyau manévariste, parce que j'ai dit que mon cannabis, tant que je suis dans mon monde, nous sommes là en tant que politique pour dénoncer ma cambo et puis proposer, donc prochainement, et Sengeli,
Monsieur Mana, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas accepter quelque chose et les refuser aussi. D'un côté, vous dites qu'il faut tout garder Semblex pour la compétence. Non, je n'ai pas dit côté, ça. Oui, je comprends. Vous gardez Bango pour continuer dans la sécurité parce qu'on a vu ça. De l'autre côté aussi, vous aussi, dans l'État congolais, tout le monde travaille en Bissou Moko. Vous ne trouvez pas que l'État congolais est perdu à ces cas-là parce qu'il y a incompétence. De l'autre côté aussi, Semblex vole. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui va renégocier la Semblex, est-ce que, vu l'alliance politique que nous avons dans notre pays, est-ce que Kabila peut accepter aujourd'hui que Balongola part dans la carte contre le passeport à Congo? Voilà pourquoi j'ai dit la fois dernière que M. Félix Tshilombo doit taper le poing sur la table pour changer ma Kamwebele. Nous ne sommes pas là, Mokanabus au Congo et ça l'a retenu comme otage à cause et à corps et Batumi Balé. Ce n'est même pas l'UDPS et le FCC, mais c'est Kabila et Félix qui ont fait un accord. Biso Toli Makamwan a échangé et qui ont impacté Biloko Ebele Nakati a vie ya Mokanabus. Donc, et Sengeli, je vais éclaircir. Je n'ai pas dit le oui et le non en même temps. Non. Nalobi, contraire à Bisona Semlex et Sila. Pourquoi? Parce que durant le parcours, il y a contrat autre sein de Bango, Moussala est un moli malamouté. Et puis, et c'est quelqu'un qui bâtit quand même, je le dis à mon frère, bâtit quand même une commission ad hoc pour vérifier dans le parcours l'applicabilité. Il y a pas clause, il y a contrat. Ce qui n'a pas été fait. Pourquoi les personnes n'ont pas été formées comme il convient aujourd'hui? Alors, la transfert à compétence, c'est le malamouté. Tu seras toujours dépendant. Tu comme le pas amiqué, le combat parasite. Pour ça, je pense que non, ce n'est pas bien. Alors, Essengeli, Semlex, Toka, ta contrat à Bango, mais va accompagner Bisso jusqu'à ce que le Congolais soit compétent, c'est comme il convient, ça fait partie à clause. Mais la continuité au renouvellement à contrat est à la tête. C'est ça ma position. Monsieur Matouna, ici à Paris, parce que nous sommes à Paris, il y a une clause qui a été signée par l'ancien ambassadeur du Congo. Mais c'est l'ambassadeur qui était l'ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo en France. Miranjoko. Non, pas Miranjoko. L'ancien ambassadeur, lorsque vous étiez. Le secrétaire d'État général aujourd'hui. Mais c'est Ileka. Mais c'est Ileka a signé clause pour l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, que Moutoussouki a foutu mon monnaie à passeport ou une erreur et que mon monnaie est coti, il ne faut plus la rembourser. Parce que moi je reconnais une dame qui a contacté Tibiso Awa parce que à ça qui aurait tant bien qu'au virer mon compte à l'État congolais pour passer le passeport. Ou l'a viré 200 euros à ça qui erreur et vira qui, puis les 1200 euros à paye. À Kendaki l'ambassade, il y a eu. Moi, personnellement, je suis allé voir Ileka. J'ai demandé l'audience plusieurs fois pour répondre à Boya. Mais la solution à l'ambassade, note et signamaki qui ne plus rembourser pour rembourser le monté. Il y a eu escroquerie, il y a eu se plaindre. Il y a eu un passeport, il y a eu depuis à l'époque, jusqu'aujourd'hui, on a duré un mandat de Joseph Kabila, il y a eu un monté. Alors, qui maintenant est responsable pour rembourser le monté? Il y a eu un escroquerie. Non, mais déjà. Kokikoloba Makamboya escroquerité, d'accord. Et puis on ne peut pas personnaliser Makamboya débat. Tu vois un cas isolé, tout comme ça au cas général. C'est-à-dire que s'il y a eu des ratés, l'ambassade Moko, la Bénin, la Belgique aussi, il y a les mêmes cas. Non, comme à Londres, beaucoup de Congolais vont pas se porter. Non, alors effectivement, j'ai entendu parler qu'il y avait des ratés par rapport au paiement des frais, mais cette problématique avait été résolue très rapidement. Tout au lieu, ça a été lésé, je pense que ça qui bon, parce qu'on a. Mais une fois de plus, il y a des voies légales où les autres existent. Si on a lésé, on a le droit, tu peux saisir des voies légales, ok, l'ambassade, ou faire valoir. Moi, je pense que nous devons, ça qui nous descend. Euros n'avait pas erreur. Parce que apporte plainte, apporte plainte en France, mais l'État français est limité parce que l'État français a dit qu'ils sont limités à poursuivre. Il est cas vu qu'il a une unité diplomatique. Non, on ne peut pas personnaliser le débat. C'est un cas isolé. Je ne pense pas que l'ambassade n'a mis au bazar étranger, bazar en appelant au scroquet du monde. C'est moi, je ne peux même pas le prononcer dans le cas de Maramco. Qu'il y ait eu des ratés, qu'il y ait eu des problèmes, je n'en dis qu'on ne vient pas. Tout ça qui est fort à l'époque, en tout cas les ambassades, ça qui, une fois de plus, c'est moi, les ambassadeurs tels. Moi, je n'étais pas un diplomate, moi, j'étais un conseiller aux affaires étrangères. D'accord? Donc, la façon de fonctionner l'ambassade, qui est autonome presque pour la production de l'ambassade. Donc, s'il y avait des erreurs de procédure, parce que erreur, ça ne m'inquiétait pas, ça peut arriver. Mais je pense que l'erreur, voilà, ils ont été corrigés. Mais, seulement, pour dire que, pour répondre encore à mon frère par rapport à Makamboya, par rapport à Makamboya Passeport,
Donc, ma passeport close une fois de plus. Il n'y a pas de clause, il y a ma B, le contrat O et Sénéric Bissot, O de Sénéric entre Bissot, quand je dis Bissot, l'État congolais, la Semlex. Où est-ce que la clause dans ma BZA? Contrat, ils ont été très bien, ils ont été en bon niveau, mieux, ça a été. Sauf que les gens n'ont pas respecté. Non, mais qui n'a pas respecté le contrat? Semlex n'a pas respecté parce que former le personnel congolais est potentiel en compétence. Mais formation, ils ont été justement, mais c'est ce que je suis en train de dire. Pendant longtemps, Oyo, tu as un passeport cher. Tosugi Silelo n'a joué à la contrée Sili. Chef de l'État a l'oubli que non, on se sent lésé. Je pense qu'on va arrêter ces contrats. Oui. Je crois que si Félix va jusqu'au bout, je vais les féliciter. Oui. Mais donc, le fait que Close Mont les a respectés, je crois que nous ne pouvons pas continuer avec eux. Il va respecter, on ne peut pas les appuyer. Non, alors là, je ne suis pas d'accord. Je soutiens le propos du chef de l'État. Si le chef de l'État considère ou constate qu'on a été lésé dans la contrée, on peut revoir justement la clause à Monique. Et là, ils ont été en défaveur à RDC. Mais je vous dis, dans la clause, au moins, ça va nous corriger Bissot, les deux parties, l'État et l'entreprise Semlex, il n'y a pas une clause où ils ont été contre Bissot. Toutes les clauses, le contrat a été signé par l'État congolais. C'est-à-dire le ministère, il y a la finance, Henri Havre à l'époque, aux affaires étrangères, par Bissot, et puis la Semlex. Donc, vous ne pouvez pas dire que le Tigre qui va signer contre Mamadé. Une fois de plus, c'est la position de faiblesse. Semlex est arrivé avec tout. Matériel, il a investi lui-même son argent. C'était des millions, beaucoup d'argent. Personne n'était prêt à nous donner cet argent. À l'époque, c'était Charles Berture qui travaillait sur ses passeports. Mais après tant que ça, désolé, appel d'offres, bon, on a quitté, ça coûtait très cher. Baba qui a mis risque énorme, on ne peut pas récupérer un bon le moment. Donc on ne peut pas considérer que Semlex. Tom Marqué Posto, juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je rappelle que l'argent au Semlex a poussé dans le Congo, ils ont acquis 220 millions. Donc on espère bien aujourd'hui que Semlex a récupéré ces 220 millions. Aujourd'hui, on peut dire ça aussi. Non, alors... Est-ce que les Congolais, l'État congolais est compétent à savoir si Semlex atteindre capital Naé ou encore intérêt Oyo? Avant ça, qu'il y a Congo. Alors, bien entendu, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Une entreprise, sans ce moment, elle est à sa bon, à sa profit. Semlex allie à son caricativité. À sa société qui doit faire du bénéfice, qui doit à dégager profit dans le contrat OEGI. L'objectif, c'est à récupérer caca, non, à investir ça qui. Il faut aussi à gagner. Sinon, à quoi ça sert finalement à Epanabiso? Une fois de plus, Ezraki est prêt à taux zéro T. Il nous a tout donné. On doit aussi permettre à ce que Semlex, à sa plus-value, mais bah, investissement n'aille. Attention, il ne faudrait pas vous comme ça. Que je prends pas à Semlex, il n'y a aucun conflit d'intérêt contre l'Anna Semlex. Mais je ne connais ni Def ni Dadan. Mais une fois de plus, pardon, je finis. Et ça, important de considérer qu'il y a la période où on ne peut pas donner des signaux négatifs aux investisseurs. Il n'y a pas longtemps, je viens de lire hier que l'État congolais est en train de faire appel à un cabinet extérieur pour ça, lever des fonds. D'accord, Potoya. Ça veut dire qu'on a un problème de liquidité. Toi, dans mon côté, les investisseurs ne veulent pas venir. Donc ça, c'est un problème. On doit considérer tous ces paramètres. Mais on ne peut pas donner des signaux négatifs. Mais c'est maintenant, l'ancien fabricant à passeport congolais, c'était qui avant? Charles Berture avant. Mais aujourd'hui, il demande de revenir encore au Congo. Non, mais attendez, le Congo, Toza. C'est lui qui a imprimé. Au Congo, il a imprimé ma passeport. Le Congo, ce n'est pas le Venezuela. Au Congo, on a la possibilité de faire le business comme on veut. D'accord? Si Charles Berture a participé à l'appel d'offres, pourquoi pas? Est-ce que c'est crédible? Oui, mais attendez, ils sont bien reconnus. Parce qu'il a imprimé 2 fois, 5, 10 fois, 100 fois, même le même numéro de passeport. Non, alors, est-ce que vous avez dit pourquoi Charles Berture a Kenagi? Charles Berture est parti justement parce qu'il n'avait pas de retour sur l'investissement. Il a investi énormément. Mais Batrecasseries avec Ebélé, il est parti, ils nous ont laissé comme ça, du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle. Mais lorsqu'il est parti, pris un passeport Naïné à biométrique, c'est presque la même chose, ça n'a pas changé. Oui, mais justement. Mais qui, si c'est comme ça, qui n'a ni Amatsara pris un passeport aussi élevé comme ça? Non, alors, et c'est pas paramètre. Aux autres cas, quelque chose, il faut calculer tout ce qui est coût d'investissement et après, aux voir rentabilité d'un produit aux autres cas. Je répète, Semlex n'était pas là pour Assalabiso. Prêt à taux zéro. A PCB 100 millions de dollars, à récupérer 100 millions de dollars, c'est tout. Non.
Ils étaient là pour faire du business au Congo, d'accord? Mais ils nous ont aidés dans une période difficile pendant laquelle aucune société ne voulait venir. Alors que bah, comment on menaçait bien sûr les organismes internationaux comme quoi nos compatriotes n'allaient plus voyager. Pourquoi? Parce que les passeports n'étaient pas sécurisés. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on doit remercier Semlex, le chef de l'État. Si j'ai un conseil, si je peux dire quelque chose, le chef de l'État doit considérer le fait qu'il ne faut pas te baigner à Semlex. On doit reconsidérer le contrat. On doit renégocier les clauses pour tout ça, en sorte que Congo est comme un gagnant sur rapport aux autres. Lié Bissot entre Bissot et Semlex pour que Semlex actique en attendant, d'accord, tout le cas à compétence locale, nationale ou Yokozoa, relève pour la Kozoa. Monsieur Matona, tout comme il a souka, monsieur Namso, qu'est-ce qui a fait que passeport Moko, numéro Moko Bimsa, plusieurs identités à passeport? Non mais là, parce que jusqu'à présent, on va rembourser à Congolais, on a monté. Non mais là, une fois de plus. Je fais partie à Congolais, on a aussi. Non mais là, une fois de plus. Là, avec le passeport biométrique, dit biométrique, il n'y a pas ce problème. Ce problème s'est posé avec le passeport de Charles Berthure, c'est-à-dire semi-biométrique aux AK avant. D'accord? Parce qu'il y avait double impression. Je ne sais pas techniquement qu'est-ce qui s'est passé, mais avec Semlex, avec la technologie de Semlex, il n'y a jamais de doublon dans le passeport. Monsieur Manon, est-ce que tout le monde est ancien fabricant de passeport en Abisso ou pas? Parce que hier, le passeport est imprimé 2 fois, 10 fois, le même numéro, 100 fois, 200 personnes. Parce que moi, j'ai subi cette aventure aussi dans le passeport. Est-ce qu'aujourd'hui, Adosala, Azana, pour ça, reprendre le marché, est-ce qu'il faut lui faire confiance aussi qu'au PSA marché? Non, mais s'il revient, qu'il reconnaît le tort qu'il a commis avant, il peut se corriger. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir réfléchir et négocier avec, mais ne pas le prendre tout de suite. Sans une quelconque sécurité. Mais aussi, s'il faut qu'on soit en entreprise, je crois que l'État congolais, n'a dominant le passeport, peut faire un appel d'offres, recevoir des propositions, tamiser, savoir lesquelles et Sengeli, Tozoa, et non s'accrocher toujours à Semlex. Si, Totangola qui m'a mounaye, Soki, Asalaki, Lolenge Sengeli, ok, sans craindre une mauvaise réputation par rapport à investir dans le Bokanabiso et tout s'accrocher. Mordicus na Semlex, je pense que non, nous devons réfléchir. À mon avis, mon pays, notre pays, le Congo, et Kozalaka, Kavachalete, Moutinho, Soye, Abendi. Semlex, c'est là qui, contrat Moko, pas très bien négocié. Il y avait beaucoup de conflits d'intérêts dedans. Il y avait beaucoup de commissions dedans. Les gens se sont enrichis de trop. Baza Kopé, sa statistique, dernièrement, Basali, 56 millions de passeports. Aujourd'hui, le Congo, on estime, nous pouvons être entre 90 à 100 millions d'habitants. Donc, ce qui explique que Congolais ont un passeport presque. Bateau Bazak ont voyagé à peu près 2 millions dans le territoire, 8 millions à l'étranger, 10 millions, on peut arrondir à 12 millions. Mais je ne pense pas qu'ils vont produire 56 millions de passeports. Donc, 200 et quelques millions va investir, si Bazoua qui va intérêt, si va remettre un bon Bango. Le problème est celui-ci, l'ordre doit revenir dans l'État congolais, dans le domaine, ce n'est pas seulement le passeport. Nous sommes prêts. À ce jour, tout le monde a compris en gros, bisomoko avec les transferts de technologie et non, tout va chaler. Je crois que nous devons envoyer un signal fort contre l'entreprise Unions, Oyeko Salambe, Banambo Canabiso, Ezalaba Canadien, Ezalaba Chinois, Ezalaba Belge, Français, tout Américain. Le Congolais doit être respecté. Nous devons, Kosalaba faire, Naba entreprise, tout Naba État, Moussousou, d'abord Congo, Ezala, gagnant. Comme ça se fait ailleurs. Toi, Soubana Mikete, l'état d'émancipation après 60 ans, collègue indépendance, je pense que Ekoki. Merci beaucoup, monsieur. Un mot pour clore cette émission. Écoutez, merci pour l'invitation. Une fois de plus, ça n'est pas une position en faveur de Semlex, position que nous en avons allié, une position en faveur de l'État congolais. Qu'est-ce que nous avons à gagner, n'est-ce pas? Et au cas contraire, et qu'est-ce que nous avons à perdre? Je pense que nous avons beaucoup plus à perdre, et au cas contraire, brutalement, avec Semlex, que nous aurons à gagner. Ce que nous pourrons gagner, d'accord, au cas contraire, on peut encore le récupérer en renégociant le contrat. Monsieur Monan, je suis d'avis qu'on arrête les contrats pour que tous soient autonomes et tous bénéficier d'un certain respect de l'entreprise Moussousou Alibanda, et puis lobby na lobby Congo et Téléman. Soki babandi ko sale la kabiso toujours mukolo moko te to kozwa makasi. Voilà pourquoi on toza toujours na tendance ya ko s'appuyer pas na bato vaccin tozela, et pourtant toza na Jérôme qui peut proposer un protocole important makambo militaire o tokene na Rwanda tokene boe toza na bato lokola ba Jean-Jacques Wondo des experts
Namakabou et bas militaire. Donc je crois que nous Congolais, tout ça n'a pas compétence, tout se prendre en charge, tout se prendre à main, tout va d'accord que je n'ai pas battuté. Je comprends bien, mon frère, Makambotal et Semlex, peut-être, Bakonjinaye, ils ont négocié autre chose, quelque part ils ont bénéficié quelque chose. Voilà pourquoi ils s'accrochent. Semlex, Semlex. Moi je pense que non. Makamba passeport, bah Congolais va souffrir. Et Bélé, Congolais tout fungola misou, t'as le passeport, Ezalikolo. Ma condition pose en gros. Et ça passe. Donc, et c'est un gélito kabo en abato, ba nyoko le bisopé, ba ibi mongo ebele. Au moins, bateau et bazoa qui mongo bena ba commission à Semlex, ba ko regretter parce que manna mango et okene, parce que le frère a parlé de la décision de la manne. Vous avez suivi, j'ai suivi aussi. Mano et Zalinine. Moi, je pense que mongo togo futa et contre la caisse à l'État. L'État bénéficiait et non, bande de quoi kabila, ba place à kaba compte, na ba million na Dubaï, Semlex, Semlex. Complicité la bango, Alex la bango, mongo directement Kuna et Congo, Congolais, Afutaka 300, 250 non, Boboui. Merci. Passeport, et c'est la Bisso, et c'est la Bisso, Bisso Mokoto fabriqué en gros. Merci beaucoup, monsieur Otudi Omana. Je rappelle que vous êtes présent à APK, proche de Moïse Katumbi, et aussi monsieur Matona Henry, ancien conseiller à ministère des Affaires étrangères, ministre congolais de l'étranger. Merci de vous répondre à cette invitation. Merci encore à la liste d'émission. Je vous demanderai surtout de partager et aussi de s'abonner largement à la chaîne Nabisso, Les Congo AL News. A très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News. Les Congo AL News, merci. Les Congo AL News, première chaîne d'info.